Aucun œil a dit on isole à 6h du matin. Hein. Oui. Non, pas 6h. 5h45. Bah, s'il suit le rail, les rails tout le long, si. Parce qu'à un moment, il n'y a plus de rails. Rode, 3 minutes d'arrêt. J'ai pas le temps pour les aller, tant pis pour eux. Ah non, regardez-les, ils crient, ils veulent monter. Ah, regardez mon doigt en mouille. C'est l'heure des pommes de terre. je sais pas si je vais pouvoir rester jusqu'au bout du chemin. Wow. Bah ça fait loin, plus les 30 minutes de minage. Si, mais au moins tu y seras pour le demain. C'est pas faux. Je comprends. Easy, je comprends. Bon, par contre, je veux pas faire ma radine, mais j'aimerais bien être payé, quoi. Ça va arriver. Un jour, peut-être. Ouais, ils vont crasser les... Ils sont compliqués, les employés, aujourd'hui. Ouais. Faut les payer direct, quoi. Ils veulent des avances sur le salaire. Ah bah, ouais. On en a gros sur l'embrouille. Ah oui, mais ça ira. En soi, monsieur Dubois, quand je lui donne les lots, il me paye direct, hein. Je vois pas être une crevarde, mais c'est pas le niveau là, je viens d'arriver, j'ai pas beaucoup d'argent. Oh là là. Ah ouais, voilà. Oula, oula. Ah, on a déraillé. Ça fait mal aux fesses, ça. Attention. Attention. Oh, le poli. Oh, oula. Tiens la terre. Oh, il est reparti pour la secousse réglée. Qu'il y avait plus de rails. Hein. Oui, mais on est très très loin encore d'arriver. Oui, on sort tout juste de Le Moyne. Mais non, vous êtes un bol de bois. Ah oui, bien sûr. Bah si. Il y a un bol de soldats. Ah oui, oui. La plombe passe par l'eau. Ah bah oui, un train qui passe par l'eau, c'est logique. Pourquoi pas un train sous l'eau, tant que... Non, je suis pas un train, je suis une charrette qui passe sous l'eau. Un train sous l'eau, n'importe quoi, franchement. Et comme c'est en dessous de l'eau, j'appellerais ça un sous l'eau. Le bois, il risque pas de flotter. Du coup, sous l'eau, c'est un peu compliqué. Non. Attends. Attends, je dois me concentrer. T'es pas encore là-haut. Il va y avoir un gros virage, c'est ça? Il va y avoir un gros virage. T'es plus où c'est ? D'accord. Ça nous rassure pas, mais... Bon, c'est pas grave, on va dire que c'est là-haut, c'est plus simple. Oui, bah oui, oui, oui. Allez. Allez, hop, c'est là-haut. Textes de loi. Nous vous prions de garder les mains à l'intérieur du véhicule parce que ça va être lourd. Ça va être quoi? Ça va être lourd. Voilà, j'ai un peu peur là. Vraiment pas confiance. J'aime pas trop le vide, je ferme les yeux. La dernière fois, j'ai été obligé de sauter. Je ferme les yeux. Vous me dites quand on est plus dans le vide. C'est bon. J'ai obligé de sauter de la charrette. Non. Parce que sinon, le train non, vous m'avez menti. Mon dieu, Otto! Je ferme les yeux. Alors là, on est au-dessus de la Terre. Ouais, mais c'est toujours un peu haut. Voilà. La planète, moi, je veux dire. Et là, on passe sur la Terre ferme. C'est bon. Ah, merci beaucoup. J'ai vraiment très, 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 très peur du vide. C'est cool!
Il fallait le dire avant aussi. Bah je savais pas qu'on passait à la Christophe. Et vous expliquez même pas par où on passe, donc en soi... Moi je connais pas la ville, hein. Vous dites des raccourcis. Race Station. Youplou! Le train ne s'arrêtera pas en gare. Between the train, le train ne s'arrêtera pas à tout court. Le train ne s'arrêtera plus jamais. Pinocchio, tu peux me donner à boire et à manger, s'il te plaît? En cours de route, on peut comme ça? Et on peut, oui. D'accord, d'accord. Voilà, on passe au-dessus du vide, mais ça va. Vous n'avez pas à la presse, non, monsieur? À boire, ça va être compliqué. D'accord. Liqueur de framboise, si tu veux. Mais... Non, on va s'arrêter vite fait. Vous êtes actuellement dans la calèche de Pépito. Ah, il faut faire l'appel pour l'arrêt bientôt à la rivière. Ah, nous allons bientôt arriver en gare de... Rivière. Gare de rivière dans 2 minutes. Rivière sur Strawberry. Veuillez boire dans la prochaine rivière. Oui, oui. Oui, oui, oui. Faites attention aux truites, elles peuvent vous attaquer. Les fameuses. L'attaque de truites est dangereuse et a tué plusieurs personnes ce mois-ci. Non, mais non. Ça va? Dernière réflexion. Ouais, ça va. Oui, ça va. Vous rigolez bien? On discute. Bah, je me doute. Je suis en état d'arrestation. Eh ben. Trouble à l'ordre. Je bois là où fait pipi en douille. C'est bon, tout le monde le monte. Et la balle est dans ton camp. Pourquoi j'arrive pas à boire? Louf. Est-ce que j'ai plus soif? Faut t'accroupir. Non. Ah. Non. Merci. Ah, merde. Ah, une petite craquer. Douche. Hop, je vais craquer. Ah, en profite, hein. Ouais, profite-en, ouais, parce que tu trempes dans ton zut depuis combien de temps, viens ? Bah, j'avoue qu'à la mine, on a bien. J'allais dire quelque chose de. On a bien transpiré. Ah ouais. On s'est donné à fond. Pourquoi ? Tout ça pour gagner. Que dalle. Côté de ma nièce. Ah. Let's go. J'espère qu'on va être riche. Pourquoi quelqu'un n'était pas? Non, on était 5. Ah bon? Oui, il y avait un trou à côté de moi. Ah. Ça y est, on je te rassure, il y a toujours un trou à côté de toi, là. Attention! Non, il y a un monsieur. Non, mais je parle de moi. Juste que je bois. Ah. Après, on a tous un coup. Non. Bah, si. Oui, mais c'est non. C'est quelqu'un comme moi, quoi. Oui, oui. T'as trouvé le tour, alors. De quoi? Allez. À votre droite, vous pouvez apercevoir un grand arbre. Merci. Rien du tout. Oh, sur votre droite, encore moins. Rose. À votre droite, il y a une lumière au loin. Il faut mettre le bâton dans le petit trou. Ah, je pense pas que faut mettre le bâton dans les fesses, hein. Quoi? C'est pas une ferme. Un point, c'est tout. Il faut mettre le bâton attention, dans le petit trou. Nous sommes suivis. Ouais, mais je pense pas que c'est dans les fesses. Non, ça serait bizarre si on sort des bébés par les fesses. Pourquoi vous sortez votre arme, monsieur Dieu? Je regarde. Non, par ici. Il joue au combo news indien ou... Moi, vous me faites peur parce que je me dis que c'est peut-être dangereux et qu'on va se faire attaquer et après... Non, là, on est passé à un endroit où il y a un cougar des fois, c'est après, pas ça. Après, ça va, monsieur Dubois, il est plus là, il pourra nous enterrer tous. Mais demain, je vais choisir mon cercueil, je l'ai pas encore choisi, alors... Je suis clairement trompé d'endroit, là, où personne me dit rien. Oui. Bah, ça marche. Mais on sait rien, nous. Ça marche. Enfin, c'était derrière. De quoi? En fait, le chauffeur s'est trompé de route. Mais tu peux continuer. Ah oui, c'est bon. Non, mais continue, ça va prendre plus de temps. Ah bon? Non, vas-y. Faites vite pour prévenir les renards et les lapins. Vas-y. On peut continuer. Bip. T'aurais pu continuer aussi. Nous, je peux faire si vous en voulez. Là, y'a un caillou.
Oula, 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 oh là là. Est-ce que donner le l'IRM à un enfant de 15 ans, strictement, aucune conscience de ce qui se passe. Oh là là, là là, là là, là là. Oui, oui, oui. Je conseille des bonbons à la. Pas du tout dangereux. La petite, elle est jeune, elle peut pas mourir, hein. Bah oui, j'ai pas envie de mourir. Je suis pas jeune, j'ai pas envie de mourir non plus. Vous inquiétez pas, j'ai pas envie de souffrir, ok. Arrêtez. Pourquoi y'a quelqu'un, il me tient. Le rapidouille. Rapidouille Baldi. Ah ouais. Oui. C'est quoi? Avec rapide, non. Oula, qu'est-ce que j'ai? Avec grandouille. Et puis ou youyouille. Oh mon dieu. À la fin de la charrette, vous pourrez trouver un bar. Oh pardon. Sauveur, cité champion. Fouette, fouette, sauveur, cité champion. Fouette donc ce ballon. Fouette donc cet étalon. Ah oui. Ouais, ça passe. Il faut que je fouette. Coché. Je te rassure, tu fouettes déjà. Coché, cité champion. Ça c'est parce que t'as le nez coupé de la bouche en nouille. Fouette, oh là là. Fouette, coché, cité champion. Fouette ton étalon. Signal Maverick. Tu sais ce qu'on dit?